Alors, Charles Boileau, merci de nous accueillir. Un Donc, plaisir. nous sommes ici au Postmoderne. Oui. Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours et votre métier. Et donc, on va commencer avec le parcours, pour savoir d'où vous venez, comment vous en êtes venu au métier de coloriste. C'est une longue histoire. En fait, en 1998, j'ai commencé à faire de la photo. Et de là, en fait, j'ai commencé à faire de la photo dans les sports extrêmes. C'était ce qui était à la mode dans le temps, donc snowboard, skateboard, ski, ainsi de suite. Et évidemment, dans le parcours un peu normal, je me suis intéressé aux films de ski, aux films de snowboard. Et donc, j'ai commencé à tourner des films de ski, tourner des films de snowboard. De fil en aiguille, je me suis fait de l'expérience là-dedans et j'ai finalement, on pourrait dire, gradué à une entreprise qui faisait ça vraiment professionnellement. Donc, je me suis mis à voyager, à tourner des athlètes professionnels. J'utilisais autant la caméra numérique dans le temps, le DV, qui n'était pas très beau, mais qui était bien. On avait les premières DV en 24p, donc c'était déjà mieux que du 60i. Par la suite, j'ai même pu tourner quelques années en 16 mm. Donc, j'ai appris un peu. Je faisais déjà la photo traditionnelle Argentique. argentique, exactement. Donc, pour moi, c'était comme un parcours normal de le faire image par image comme ça. Et de cette carrière, cette partie de ma carrière, c'était pas très payant, donc il m'en fallait que je fasse d'autres choses. Je suis revenu à Montréal pour peaufiner mes connaissances, puis commencer à en fait, travailler comme directeur photo. Pendant quelques années, j'ai fait des tournages, fait des vidéoclips, quelques petites publicités, quelques courts-métrages, ainsi de suite. Puis on travaillait déjà à ce moment-là beaucoup en numérique. Surtout en HD. Ouais, après ça, la Red et toutes les autres caméras un peu qui ont sorti récemment commençaient à faire leur entrée. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec ces médiums-là aussi. Et étant donné que je travaillais beaucoup sur des projets à petit budget, ben, j'avais commencé à faire moi-même ma propre colo pour être sûr que c'était fait et que c'était bien fait. Et donc, j'ai appris un peu. Sur le tas, comme on dit, à faire de la colorisation de cette manière-là. Et étant donné que j'étais habitué d'être un peu chef de mon propre tournage, si je pouvais dire, c'est dans le temps que je faisais du ski, je voyageais tout seul, j'étais tout le temps tout seul, je faisais mes tournages, c'était un one-man show tout le temps. Donc quand je suis arrivé sur des grosses équipes, j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ça bien. Sauf que les horaires et la pression étaient quand même assez grandes. Puis c'est pas quelque chose que j'appréciais énormément. Ça enlevait un peu le côté créatif du travail. Ça devenait très mécanique et rapide et tout ça. J'ai vu une opportunité de peaufiner mes connaissances en colorisation. Puis je me suis dit probablement qu'il y a de la place, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coloristes à ce moment-là à Montréal. Ils étaient surtout étalés dans les grands studios, donc les plus petites productions, il n'y avait pas vraiment accès à des coloristes. Et j'ai commencé à faire un peu de pige, mais je continue à faire la direction photo, mais je fais aussi de la pige en colo. Je me suis fait un peu connaître comme ça. Puis en 2011 à peu près, j'ai décidé de contacter un directeur photo québécois qui s'appelle Jérôme Sabourin. Jérôme avait déjà une carrière assez prolifique en direction photo et il faisait sa propre colo. Mais étant donné qu'il était très, très occupé sur les tournages, il n'avait pas tout à fait le temps de faire sa propre colo. Mais il faisait quand même. Et je l'ai appelé, je ne le connaissais pas, je l'ai appelé tout simplement. J'ai dit, je cherche à devenir coloriste. J'ai dit, c'est à peu près la seule personne en ville avec qui je pourrais apprendre parce que les grands studios ne me prendront pas. Ils n'ont pas le temps vraiment pour ça. Puis il m'a dit, ben, ça tombe bien, je me cherche un assistant. Puis j'ai commencé. À ce moment-là, j'ai complètement lâché les plateaux. Et j'étais son assistant, mais c'était quand même plus qu'être un assistant. Il m'a vraiment lancé dans des projets. Dès les premières semaines, je comblais un peu. Lui, il rentrait, il faisait quelques plans sur une scène, puis moi, je complétais ça.
J'ai fait des approbations avec clients assez rapidement. Puis, étant donné que j'étais là temps plein, il faisait rentrer d'autres projets. Puis, dans le temps de le dire, en quelques, peut-être 4 mois, il m'a donné ma propre série télé, une série lourde qui s'appelait Mirador. Donc, il fallait que je développe le look et tout ça. Ben, avec lui, évidemment. C'était lui qui chapeautait, mais c'était moi qui étais sur la machine. Et voilà, c'est là que ça a commencé. J'ai travaillé un an, à peu près un an et demi avec lui. Et lui a quitté l'endroit où il était. Moi, j'ai décidé de ne pas le suivre. Puis je suis venu ici, j'ai passé ma dent. Puis depuis là, je suis tout à l'heure à temps D'accord. Donc depuis 2013, c'est ça? plein. 2012, 2012. que je suis vraiment. Ben, en fait, 2011, que je suis encore coloriste à temps plein. D'accord. Coloriste à temps plein depuis 2011. Ouais. D'abord donc avec Jérôme Sabourin, mais alors qui lui avait monté une petite entreprise. En fait, il C'était. s'était installé dans une autre compagnie de post-production qui était eux autres spécialisés en effets visuels. Donc, c'était D'accord. pas, il était D'accord. comme pas en compétition avec l'interne. Puis, Qui s'appelait comment Oblique alors? FX. D'accord. Ouais. Ils sont situés au centre-ville, super boîte d'effets visuels. Donc, du point de vue de votre du statut, vous releviez en fait de cette société-là. Moi, oui. Ouais. Jérôme, non. D'accord. Donc, c'est un partenariat que lui avait fait. Le patron de cette entreprise-là était intéressé à avoir un département de colorisation. Je ne sais pas c'était quoi la nature de leur entente entre eux, mais moi, mon salaire était payé par Oblique. Donc, quand lui a quitté, ben, nécessairement, Oblique a dit ben, on ne peut pas te payer. Puis, de toute façon, il n'y a pas énormément de contrats qui rentraient. C'était surtout ses séries à lui. Fait que moi, souvent, j'étais assis, je me disais. J'avais rien à faire, ou je me pratiquais, tout ça, je suis comme pendant des semaines, je suis comme, c'est bizarre, je sais pas comment ils font payer mon salaire. Donc, évidemment, de fil en aiguille, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est parti de là, puis il s'est installé ailleurs à Montréal, puis ça va très bien depuis. Mais je préférais être dans une structure mieux organisée, puis avoir un cinéma à ma disposition pour pouvoir travailler, parce qu'on peut pas, je pourrais. Ben, on peut faire un film sur un écran comme celui-là, mais c'est pas désirable. Donc, Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, l'entrée chez Postmoderne, c'était en 2012. 2012. Ouais. D'accord. Et alors, justement, parce qu'on parle en fait des outils, Oui. alors, quand on est directeur de la photo et qu'on fait sa colorisation soi-même, qu'est-ce qu'on utilise? Ah. Comment on se forme? Comment on se forme? On se forme en essayant. Il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de cours qui se donnaient en ligne. Maintenant, il y a une panoplie de cours qui se donnent en ligne. Il y a peu de cours qui se donnent, du moins à Montréal, qui se donnent dans des classes. Moi, j'en donne des fois, mais c'est des cours plus techniques au niveau de la gestion de couleurs, des trucs comme ça. Il y a d'autres coloristes à Montréal qui font de la formation. Je pense à Mathieu Marano, entre autres. Donc, à ce moment-là, moi, je n'avais pas vraiment d'outils pour apprendre. J'avais des amis qui avaient fait un peu de colo, t'sais, qui m'aidaient. Et tout le monde faisait un peu de montage, un peu de colo, un peu d'effet. On était un peu touche à tout. Puis, mais à ce moment-là, j'utilisais Apple Color, qui était ce qui était le plus répandu. Un peu After Effects aussi, mais c'était pas très efficace comme logiciel pour ça. Mais ça fonctionnait. Donc, j'avais rien qui jouait en temps réel. T'sais, on s'entend, je pesais sur play, puis il n'y a rien qui jouait. T'sais. Mais ça jouait à, je sais pas, à 12, 13 frames secondes, puis c'était acceptable à ce moment-là. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que quand j'avais terminé, puis je voulais faire une dernière écoute, je faisais un rendu, puis je l'écoutais. Au complet. Ce qui est un peu mal fait dans le sens que si je voulais faire des corrections, il fallait que je retourne au projet. Donc, c'est pas comme maintenant où est-ce que on a des cartes d'accélération et que tout joue en temps réel quasiment tout le temps. Et parce qu'on a, on a, tu m'as parlé tout à l'heure du 16 mm. Oui. Bah j'imagine que quand on fait sa propre colorisation, on est déjà dans une filière tout numérique. Oui. Ouais. Est-ce que il y a eu des moments où du coup tu as dû en fait, par exemple, ne pas faire de la colorisation parce que c'était un projet photochimique et que Oui, du coup absolument. Bien, tous les D'accord. projets en pellicule que j'ai faits, Ouais. j'ai pas participé à. Du moins, j'ai participé en tant que directeur photo, D'accord, tu sais, dans les ouais. sessions, comme mes clients.
mais j'ai pas fait les projets moi-même parce que j'avais pas accès à l'équipement qu'il fallait, le télé-ciné ou le scan. J'ai déjà fait ici chez Postmoderne des projets en pellicule qui étaient scannés, numérisés, mais pas dans ce sens-là, dans le temps que je tournais des films de ski en 16 000 mètres. D'autant plus qu'on faisait des télé-ciné la plupart du temps, donc la qualité n'était pas très bonne finalement. Ce que je savais pas au moment, moi je pensais que c'était le nec plus ultra. Puis j'ai jamais participé à une session d'étalonnage photochimique, juste à des sessions de télé-ciné, pas de scan. J'ai fait, avec Jérôme Sabourin, j'ai fait une session d'étalonnage photochimique pour son projet à lui. Donc, j'étais dans une autre boîte ici à Montréal et on donnait des directives de plus de rouge, moins de bleu, des points, des trucs comme ça. Vraiment le truc super standard. Donc, c'était basé sur, en fait, c'était un film qui avait été fait sur un écran de télé. Donc, il devait être converti vers la pellicule excusez, c'est en anglais, le release stock, là, la pellicule de présentation. Et une fois que la pellicule, une fois que le film avait été converti, en fait, c'était étalonnage numérique, conversion vers pellicule avec une compensation dans la lookup table pour être sûr que ça arrive exactement la même chose. Donc là, on a eu une première session pour visualiser ça numériquement. Et print film en pellicule. Et là, on a fait une autre session pour s'assurer que ça, c'était bien fait. Fait que là, Jérôme faisait quelques ajustements au niveau de la chaleur, tout ça. Tout basé sur une impression de ce qu'on avait vu sur un écran. Mais en fait, tout est supposé être cohérent. Sauf qu'on n'était pas avec l'écran là en train de comparer. T'sais. C'était vraiment une impression créative, là. Ce qui est en fait le côté le plus subjectif de la colo, c'est ça. C'est que tu fais quelque chose, tu sors dehors, tu vas ailleurs, tu penses que c'est pareil. Est-ce que ça l'est réellement? On ne sait pas vraiment. Est-ce que dans les projets justement où il y a eu donc donc tout s'était tourné sur pellicule et donc scan et puis après on retourne à la pellicule, est-ce que tu as des souvenirs de projets sur lesquels tu étais déçu ou effrayé ou catastrophé ou Ben, j'ai pas eu. parce que le retour n'était pas Ouais, en fait, identique? ma seule expérience que j'ai eue dans ce genre de workflow-là, c'était avec ce projet-là qui s'appelait Angle Mort avec Jérôme. Fait que moi, j'avais pas le stress à ce moment-là parce que c'était pas mon projet. T'sais. Moi, j'étais là un peu plus comme observateur puis j'apprenais en même temps. J'ai jamais fait, moi, personnellement, de mes projets des retours. J'ai fait un super beau film en 16 mm, scanné, il était impeccable. C'est comme travailler sur de l'Alexa ou caméra haute résolution. Mais il n'y avait pas de retour en pellicule. Du moins, il me semble que non, parce que s'il y en avait eu un, je l'aurais approuvé. Donc, Ah, c'était pour quel film? c'était Quelqu'un d'extraordinaire de Monia Chokri. Puis, en fait, tout ce qui a été fait, je pense, c'est un DCP après. Donc, c'est le workflow normal. Qu'on fait à tous les jours. Et alors quand tu es entré en fait chez Oblique, mais du coup avec Jérôme Sabourin, Oui. alors sur quoi tu t'es formé? Quels étaient les outils? C'était en fait Irida SpeedGrade, qui est devenu Adobe SpeedGrade. À ce moment-là, Irida, c'était une toute petite compagnie qui faisait un superbe logiciel. Ils ont été rachetés par Adobe, donc ça a été marié dans toute la suite Premiere, tout ça. J'ai participé quelque peu à cette transition-là par le biais de feedback. J'étais comme un bêta-testeur chez Adobe. Mais tout ça s'est fait à peu près au moment où je quittais Oblique, puis je m'en venais ici, puis ici, il était déjà sur DaVinci Resolve. Donc, j'ai dû, dès mes premières sessions, ici, prendre toute ma façon de fonctionner dans SpeedGrade et essayer de la convertir dans une architecture complètement différente. Parce que SpeedGrade fonctionnait en couches, puis Jérôme m'avait montré une façon de fonctionner qui était extrêmement en couches. Tu sais, je veux dire, il y avait vraiment une couche pour chacune des choses qu'on faisait. Je devais donc essayer de trouver un moyen de faire ce même genre d'approche-là. Ça m'est pas venu dès le début. Ça a pris peut-être
peut-être quasiment un bon 2 ans, 1 an et demi au moins pour finalement réaliser que ce serait important d'avoir une architecture de node dans DaVinci Resolve qui est standardisée tout le temps. Moi et Julien, on peut rentrer dans nos projets puis comprendre où sont les choses. D'accord. Puis ça finit par être une façon similaire de fonctionner comme dans SpeedGrid. Puis c'est ça, à ce moment-là, Iridar, c'était des voisins d'Ari en Allemagne, donc il y avait vraiment tout un... C'était très intéressant de vivre ça, d'avoir une compagnie, une petite compagnie que tu peux appeler le président, puis lui parler, il vient à Montréal, il faut super avec. Ils sont tous rendus chez Adobe maintenant, ils font tout un super travail avec SpeedGrid, mais ça a pas... Ça, à mon sens, ça n'a plus le rayonnement que ça avait à ce moment-là. Mais au moment, c'était assez excitant, on avait un ordinateur qui servait à faire de la colo, un autre ordinateur qui servait à faire des rendus, puis je pouvais juste finir un projet, l'envoyer dans l'autre ordinateur. Il n'y avait même pas d'interface, c'était juste une fenêtre qui était ouverte. C'était très basique, là, comme je me permets l'expression. Mais tu savais que tout se faisait bien, puis c'était vraiment super, vraiment très intéressant. Et alors là, donc, du coup, la formation sur le DaVinci? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Non, c'était... C'était le premier projet, c'était la première fois que tu utilisais la machine? Mon premier projet dans DaVinci Resolve 8, je crois, on est rendu à 12.5, c'était INI de Sigur Rós. Et honnêtement, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais je comprenais l'interface, je savais ce que les outils faisaient, tu sais, je comprenais la base, parce que tous les logiciels de colo ont le même genre de base. Mais qu'est-ce que je fais avec les notes, dans quel ordre, tout ça, c'était complètement farfelu. J'ai aucune idée. Puis il fallait que je fasse une approche assez particulière, parce que tout le processus d'INI était assez compliqué. Puis j'ai même pitché mon idée basée sur quelque chose que je ne savais pas utiliser. Donc, je crois vraiment à cette approche-là de quand tu as des connaissances de base, tu peux te débrouiller, faut que tu te lances un peu dedans. Fait que c'est ça que j'ai fait en arrivant ici. Puis après INI, j'ai commencé sur une série web qui s'appelait Les Invités. Et c'était la même chose. Là, j'avais des clients qui étaient là, tout ça. C'était assez stressant. Mais c'est ça, je me suis lancé dedans tout simplement. Puis sur INI, t'apprends. Ah oui, bah oui. Bien obligé. Sur INI, écoute, t'as pu être un petit peu tout seul. Oui, j'étais plus tout seul parce qu'évidemment, on avait le client, c'était le réalisateur qui était Vincent. Cerveau de papa. J'oublie mon. Vincent. Ouais. T'as ça dans tes notes? Oui, j'ai ça dans mes notes quelque part. Juste que. Je trouve qu'il est là quelque part. J'ai un autre nom qui est un de mes amis qui est producteur. Mais c'est pas ça. En tout cas, c'est ça. Ben, finalement, le processus d'INI était tellement spécial que. Je vais arrêter de chercher parce que. Le processus d'INI était tellement particulier que ça donnait rien à Vincent d'être ici tout le temps. T'sais. C'était fait par étapes. On avait. En fait. Ils ont fait une captation d'un concert avec des caméras d'assez basse qualité dans le temps. C'était des EX3. Ben, c'était bien dans le temps, mais c'était pas incroyable. Le processus d'INI était assez complexe dans le sens que, c'est ça, il y avait une captation en EX3. Cette captation-là a été filmée en 35 mm ou en 16 noir et blanc. Et ce noir et blanc-là, en pellicule, a été reprojeté et refilmé en red. Et donc, j'avais des sources originales en couleur, et j'avais des sources en noir et blanc, qui devaient être étalonnées et tout ça, qui étaient un peu détruites, mais ça faisait partie du look, qui était superbe, finalement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu mélangé les deux avec une diffusion, puis en tout cas, il y a un peu de couleur qui transparaît des fois. Puis, donc, c'est ça, Vincent Morissette avait besoin d'être là bien souvent parce que
C'était un tout. Il n'y avait pas vraiment d'étalonnage très spécifique. Il fallait juste que le tout soit beau. Donc, c'est ça. C'était assez particulier dans ce sens-là. Je me rappelle plus pourquoi on parlait de tout ça. Mais... Si, on parlait de la question de comment se former. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que ce processus-là, ce projet-là, en fait, m'a beaucoup aidé à me former parce que j'avais pas trop de pression puis je pouvais un peu découvrir le logiciel. Donc, c'était bien pour ça. D'accord. Et donc, du coup, justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette machine et comment tu t'en sers? Oui, absolument. Donc, ça, c'est DaVinci Resolve, la dernière version, le 12.5, qui était récemment bêta, qui ne l'est plus. Puis, ben, comment je m'en sers? Comme à peu près tous les coloristes, on a le Control Surface, comme ça en anglais. Tout se passe beaucoup en anglais dans la post-production. Je ne sais pas en français, je pourrais appeler ça une console, c'est ça, ouais, c'est bien dit, très bien dit. Donc, je me sers de la console, du clavier, de la souris, tout un peu tout mélangé. En étalonnage, moi personnellement, ce que je fais le plus souvent, c'est que j'essaie d'établir un niveau de contraste en premier, puis après ça, ben, je joue un peu avec... les couleurs dépendamment. On peut utiliser aussi des lookup tables comme base, parce qu'il y a des gens qui aiment ça repartir de quelque chose avec un look plus style pellicule, parce qu'on a toutes sortes d'émulations de pellicule qu'on peut utiliser. Mais récemment, j'ai vraiment commencé à travailler les courbes, en fait. Je fais des courbes sur mesure. Puis j'utilise toujours, comme je vous disais tantôt, j'utilise toujours. Je vais juste me mettre mon arborescence. Une arborescence standardisée. Puis, comme ça, Julien a à peu près la même chose, mon collègue travaille ici. Comme ça, on sait exactement toujours où sont placées les différentes composantes qui vont finalement faire un look. Puis, essentiellement, ce qu'on fait toujours, c'est que quand on fait une courbe, qu'on ajoute une lookup table sur une image, à partir de ce moment-là, qui est ici, en fait, c'est la node qui est là, ça qui est marqué là, tout dessus, le signal est, on dit dans le jargon, clippé. Ça veut dire que le signal, en fait, l'image devient dans un état très particulier à ce moment-là. Puis quand tu travailles après, tu es assujetti à cet état-là. Tu ne peux pas revenir. Donc, si tu as des hautes valeurs qui ont une perte de détails, une fois que tu es passé ce point-là, tu ne peux pas les récupérer. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, souvent contrairement, je dirais tout le temps, en fait. Je vais juste mettre un petit quelque chose là-dessus. Donc, si j'applique une courbe ici, on peut voir la courbe à dessiner. Cette courbe-là, à ce moment-là, ben c'est la réalité. Si je travaille après, je veux descendre les hautes valeurs, ben ça va devenir gris, moche comme ça. Tandis que c'est pour ça qu'on se garde toujours des options avant cette courbe-là. Donc, si je travaille avant la courbe, je peux aller récupérer du détail dans les hautes ou les basses valeurs. D'accord. Et ensuite, on applique la lutte. Exact. Ou la lutte ou la courbe. Ouais. Parce que la courbe fait office de lutte. D'accord. C'est ça. Puis c'est la même chose. Une lutte, c'est une courbe. C'est juste un... C'est probablement un peu moins demandant au système parce que le système a juste besoin de s'y référer et non la calculer. Parce qu'elle est pré-calculée, finalement. C'est pour ça qu'il appelle ça une lookup table. Alors, les lookup tables, certaines sont fournies donc par les vendeurs de caméras, ouais, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées oui, dans absolument. La confection de lutte? Oui. Oui, il y a une compagnie, entre autres, qui s'appelle Koji, qui ont fait des superbes lookup tables. Puis eux, en fait, ils se sont associés avec un vieux de la vieille qui s'appelle Dale Grun.
qui est un étalonneur photochimique, qui a fait Saving Private Ryan, des grands films, là. Je connais pas tout son CV, mais je sais qu'il a fait Saving Private Ryan. Il a fait, je pense, le premier Toy Story, oui, film en 3D, mais quand même, dans le temps, il était passé en pellicule. Puis dans tous les émulations de films, c'est vraiment les plus fidèles que j'ai vus jusqu'à là, c'est les plus belles. Puis bon, le Cocktail Bowl, film, c'est toujours un peu contrasté, mais une fois qu'on ouvre un peu les basses valeurs, on retrouve vraiment automatiquement un look très cinématographique, les noirs un peu cyan, les teintes de peau chaud. C'est vraiment quelque chose de. C'est très, ils ont fait beaucoup de travail, en fait, pour en arriver à quelque chose de plaisant rapidement. Est-ce que du coup, il y a toute la gamme qu'on peut imaginer dans les pellicules, c'est-à-dire par exemple une gamme, je sais pas, une Lude Fuji, une Oui, Kodak, exact. Il y a une exactement Polaroid? ça, mais en fait, c'est tout des stocks de présentation et non des stocks de tournage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des émulations de positifs Ah et oui, non d'accord. négatifs. Donc, quand tu as ton film, tu tournes, tu vas être en 52-13, qui est une pellicule Kodak négative, et là, tu vas faire un interpositif, je crois. Et l'interpositif pour la présentation va être fait avec la 2393 qui est appliquée présentement, la 2383, excusez-moi, qui est appliquée présentement. Et D'accord. donc, cette pellicule-là, c'est une pellicule qui est comme une diapositive, finalement. Et c'est elle qui va vraiment donner beaucoup de la saturation et du contraste et tout ça. Donc, quand on fait un étalonnage numérique, mais qui s'en va en pellicule, nécessairement, on doit appliquer un genre de lutte comme ça pour voir le rendu final de ce que ça va avoir l'air en pellicule. Donc, on met une émulation, mais cette émulation-là, on ne la rend pas dans les images. On l'enlève et on laisse les images en log, finalement, parce que quand on reçoit un scan, il est en log. Et le log est réimprimé et il est réimprimé sur ce stock-là. Et ce stock-là, on connaît ses caractéristiques parce qu'on les a vues. Donc, l'interpositif final devrait représenter l'émulation qu'on a vue à l'écran. Beaucoup D'accord. d'étapes, là. Ouais. Là, présentement, ce qu'on utilise, en fait, c'est la même émulation, mais qui prend pour compte qu'on a tourné en log-C, qui est la Alexa. Puis, c'est une lookup table qu'on va laisser dans les rendus. Parce qu'elle fait D'accord. partie du look. Elle faisait partie du look, elle ferait partie du look si on avait tourné en pellicule. On l'aurait pris pour compte, on l'enlève à la fin, mais quand même, on joue avec ses particularités. D'accord, ok. Parce que pour un film, pour un long métrage, donc on peut appliquer cette lutte pour le tournage et pour le montage, pour que les Oui, gens aient un absolument, c'est rendu. ça. C'est ça que je t'expliquais au Ouais, début, c'est qu'on ouais, pourrait. Dans le cas de, par exemple, je parlais de Sicario, ouais. Ouais. le directeur photo, Roger Deakins, avait sa. On ne l'a pas fait ici, là, le colo, juste le montage, ça spécifie. Il avait sa propre lookup table, un look qui aimait déjà beaucoup. Et à travers tout le processus de montage, même jusqu'à l'étalonnage, ce look unique était appliqué. Et il avait même fait préalablement au montage, une première passe de colorisation, mais de balance avec la lookup table. Donc, quand le réalisateur Denis Villeneuve montait son film, il était essentiellement étalonné. D'accord. C'est quand même assez rare, non, de pouvoir se payer, entre guillemets, un étalonnage des rushs, non? Oui, c'est pas quelque chose C'est. qu'on fait. Moi, on n'a Ouais. jamais fait ça ici, chez Postmoderne. Ça serait incroyable de le faire parce que je pense que les clients gagneraient, mais. Ça prend un budget, c'est sûr. Est-ce que toi, tu crées aussi, du coup, des luttes? Oui, on en a fait. Dans le cadre de ce projet-là, justement, où est-ce qu'on veut maximiser le signal de la caméra, puis offrir des nouveaux looks à nos clients. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle 3D Lab Creator, qu'on a ici. Oups, Facebook, Julien. 3D Lock Creator, qui est un logiciel super puissant, un peu complexe, mais qui me permet
de faire énormément de choses. Entre autres, je peux avoir, j'ai toutes mes courbes, donc je peux. Il faudrait que je mette une image là. Je ne sais pas si j'ai quelque chose, je peux aller chercher rapidement. Ouais. Une petite seconde. Donc, on a notre fameuse Marcy. Donc, c'est ça, moi, je pourrais, dans ce logiciel-là, simplement créer une D'accord. courbe. Je peux faire énormément de choses, en fait, là. C'est sans fin, là. C'est un espèce de Photoshop, finalement. Puis de ça, je fais tout simplement Save 3D là, puis ça me fait le lookup table. C'est pas grave. Puis on peut même. C'est assez intéressant quand même. Si je peux retourner. Ah, bon. Donc, tu vois ici, sur le rouge, j'ai un petit X là. Je peux prendre ce point, précisément ce point-là ou proche de ce point-là et aller tout simplement le mettre en bleu si je veux. C'est assez puissant quand même. C'est assez puissant. Donc ça s'appelle comment? 3D Lut Creator. Ah oui, 3D Lut Ouais. Creator. Si je voulais faire un look vraiment poussé, là, je passerais peut-être par ça. Mais ça peut créer toutes sortes d'aberrations aussi. Faut faire attention. C'est un peu à la limite expérimental. D'où effectivement l'importance de la placer à un moment donné dans le nuage là, Ouais, c'est ça, exact. et de pouvoir intervenir avant. Oui, exact, c'est ça. Parce que ce qui arrivait beaucoup, c'est que les lookup tables ont commencé à être super populaires dans la colorisation, mais les gens se plaignaient sur Internet, sur les forums, que ça clippait le signal. Excusez pour l'anglicisme. Et c'est parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient dès l'entrée de leur look. Donc, il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière à ce moment-là. Mais du workflow à Jérôme Sabourin, j'ai pu prendre les couches puis les mettre horizontalement. C'est ça que j'ai fait essentiellement ici. Et donc, j'ai recréé la même structure Mais que avec lui, c'est ça. Mais d'accord. lui, la seule différence, c'est que la lookup table était en haut. Parce que là, c'était la couche d'en haut qui faisait que les couches subséquentes étaient sous celle-là. Donc, tu étais avant celle-là toujours. Donc, ça me permettait de travailler sur la caméra et non sur le look. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je veux saturer les couleurs originales de l'appareil, je peux le faire. Autant qu'une fois que j'ai établi tout mon look, je peux saturer juste le look aussi si je veux, si je travaille à la fin. J'ai des trois nodes ici qui séparent mon signal dans les trois différentes composantes RGB. Donc, je peux très précisément enlever du bleu dans les noirs, oh, excuse-moi, du rouge, rajouter du rouge dans les noirs si je veux enlever le cyan. Puis enlever un peu de bleu dans les noirs, mais de le faire de façon très précise, versus passer par les trois boules qu'on appelle, qui sont, en fait, c'est un peu lié, le lift, le gamma et le gain sont un peu liés ensemble. Donc si je rajoute un peu de rouge, ça vient beurrer l'image rapidement. Faut y aller très doucement avec ça. Et donc du coup, pour y aller doucement et être subtil, c'est là où Ben, c'est j'utilise, c'est que que je peux utiliser le lift gamma et le gain indépendamment dans chacun des les trois couleurs. canaux de couleurs RGB. D'accord, ouais. Donc, quand j'ai juste comme je veux juste aligner les noirs, Julien fait la même chose. Quand on veut juste aligner les noirs pour qu'ils soient parfaitement noirs, c'est vraiment précis de le faire comme Ah ça. oui. Tu veux Ça, dire c'est un. pour raccorder plusieurs scènes dans une même séquence, c'est Ouais, ça? ou si tu veux nettoyer ton look pour être sûr que tes noirs soient purs, c'est une bonne façon de le faire. Il y a plusieurs autres façons de le faire dans Resolve aussi, mais
Et ça, c'est assez particulier. J'ai jamais vu personne d'autre travailler de cette façon-là dans leurs offres. Ah oui. Moi puis Julien, on fait ça depuis 2 ans à peu près. C'est, en fait, c'est une option qui a été rajoutée dans Resolve 11, je pense, ou 10, de pouvoir faire ça. Alors, Julien nous disait à quel point la peau restait un étalon important. Oui, Oui. absolument. Oui. C'est ce qui est le plus important. Tu peux avoir des chandails qui changent de couleur de plan à plan, c'est pas grave, tant que la peau est pareille. D'accord. Parce que ce qui est le plus difficile quand tu es un jeune coloriste, c'est justement c'est les raccords de petites affaires dans l'image. T'es comme, ah, c'est pas parfait, mais t'as plus de temps. Puis tu... Parce que ça, on se concentre beaucoup sur les teintes de peau, c'est vraiment ce qui est le plus important. Parce que les yeux, la peau, c'est ce que tout le monde va regarder tout le temps. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a une couleur de peau idéale, quelque chose vers laquelle on tend? Non. Ben oui et non, en fait. Parce que si on prend, exemple, un look comme The Matrix, t'sais, tout le monde est vert, bon, c'est pas très beau, mais si c'est tout le temps pareil, l'œil va s'habituer, il va retrouver les teints qu'il veut dans le teint de peau. Mais on a quand même un outil qui n'est pas activé présentement dans le vectorscope. Ouais. Il appelle ça le skin tone, show skin tone indicator. Et c'est en fait la ligne qui est là, c'est à peu près le teint de peau blanc moyen D'accord. avec un peu de rose dedans. C'est un peu biaisé. Je veux dire, il n'y a pas le black skin tone indicator. C'est un peu farfelu là, comme approche, mais je pense que instinctivement, les clients et le coloriste savent quand les teintes de peau sont beaux. D'accord. Ça vient un peu tout seul. Des fois, je l'active puis je le montre à mes clients juste pour flasher. Je dis, ah, regarde, les teintes de peau sont super bien alignées. Ils le sont présentement aussi. Là, on le voit très bien. Ben, comment on voit là qu'ils sont bien alignés parce que. Ouais, dans le. Ben là, il faudrait que je le mette au moins à 200 %. Là, mais... On voit que la. Ben, il penche un peu Ah oui, vers le d'accord. jaune. C'est pour ça que son tempo est un peu plus jaune. D'accord. Je pourrais offsetter le rouge. Mais là, du coup, les Pour le indications tonner. qui sont données ici ne concernent que la jeune fille. Exact. Ouais. D'accord. J'ai fait deux films, deux gros films, ben pour moi, deux gros films, avec des tempos indiens, tout ça. Fait que c'est vraiment différent, là. Puis aussi culturellement, socialement, les couleurs, chaque pays, Ah c'est oui. assez. J'ai entendu dans les pays scandinaves, le bleu, en fait, ça veut représenter la joie, puis contrairement à nous. C'est ça. Ça dépend vraiment. J'ai récemment travaillé avec un directeur photo indien, puis c'était vraiment. Les tempos, c'était vraiment une autre chose pour lui, là, je le sentais, là, Ah t'sais, oui, c'est, surtout c'était. les tempos indiens, puis la clarté, puis le contraste. Ça, C'était pour quel film? s'appelle Heartbeats. Je sais pas si je peux en parler, voilà, sûrement, là. C'est un film de danse. C'est Ouais. Bollywood meets Hollywood. D'accord. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la série Step Up, de film de danse américain. Ça se veut dans cette direction-là. C'est le même écrivain qui l'a réalisé un film aussi en même temps. D'accord. Et donc à l'intérieur de ce film, les danseurs ont différents Bon, on a des rôles. Indiens, puis Ouais. on a une Américaine, en fait, qui Ouais. tombe en amour avec un Indien. Puis c'est ça. Fait que des fois, j'ai ces mêmes personnes-là dans une image. Je dois m'assurer que les deux sont beaux. Ouais. Mais C'est... ça, du coup, avec l'étalonnage numérique qui permet de faire Ouais. des masques, etc., on Exact, peut. c'est ça, tout à fait. On peut D'accord. vraiment aller chercher. Et si le directeur de la photo n'avait pas été présent pour donner ses indications, toi, tu aurais étalonné les peaux différemment? Possiblement. D'accord. Je les aurais étalonnés selon mes propres. Excuse-moi, je Ouais. touche au micro. Je l'aurais étalonné selon mes propres aspirations et mes propres connaissances du tempo indien et américaine. C'est un peu ça, encore une fois, c'est très subjectif. C'est pas. Oui. C'est vraiment. C'est le fun de pouvoir travailler seul comme coloriste des fois, parce que c'est là que tu as l'impression que tu crées beaucoup, mais ça peut te jouer des tours, Ouais. justement, à cause de ça.
Mais après quelques projets, souvent avec un directeur photo, il peut te laisser aller. Parce que tu sais ce qu'il veut, puis c'est que tu vas lui donner ce qu'il a besoin, tout ça. Okay. Alors, Ben, il m'a dit ça, il m'a dit, ben là, maintenant, je vais pouvoir juste envoyer des notes de linge pour les prochains films pour faire ça. Donc, tu sais bien étalonner les peaux des Ouais, exact, c'est ça. Il disait toujours, just make it look beautiful. Et alors, justement, en termes d'organisation du travail, certains étalonneurs m'ont dit, moi, je préfère être tout seul, notamment au début. Puis après, je préfère être beaucoup avec les gens. D'autres disent non, moi j'aime qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec moi, etc. Comment ben, moi, puis je suis sûr que Julien a dit la même chose. Je ne sais pas si tu as posé la question. Moi, j'aime ça avoir quelqu'un au début. J'aime ça qu'ils partent. D'accord. Mais quand ils sont là tout le temps, ça ne me dérange pas. D'accord. Ça fait partie du processus. Il y en a qui veulent être là tout le temps. Mais moi, je trouve qu'on est plus efficace, plus rapide. Puis on peut souvent. Exemple, comme avec Heartbeats, il est parti il y a 2 semaines, le directeur photo. Et je suis repassé à travers tout seul. Puis j'ai vraiment vu le film prendre vie à ce moment-là. Parce que là, j'avais plus quelqu'un qui me disait toujours comme. Ah, essaye ça, ou essaye ça. T'sais, c'est toujours des bonnes suggestions. Là. On s'entend, là, il sait ce qu'il veut. Puis. C'était valable tout le temps. Sauf que quand tu le finis puis que tu vois que là, ça prend forme, puis que là, tu rajoutes des petites choses à gauche et à droite que tu n'avais pas pensé parce que tu as pu prendre du recul aussi, c'est souvent à ces moments-là où on se sent comme un peu plus impliqué créativement, en tout cas pour moi. Et même dès les premiers instants, quand on peut travailler seul, on a souvent l'impression qu'on peut amener le film à un autre endroit. Parce que des fois, les clients... Ils sont tellement habitués de voir leur film en montage, ils l'ont vu avec une certaine look-up table et tout ça. Puis le look qu'ils ont été habitués de voir leur appartient vraiment, puis ils ont peur de le changer et tout ça. Ils sont un peu pris dans ce carcan-là. Et de pouvoir, des fois, juste comme les laisser aller, puis dire regarde, je vais essayer des choses, puis tu reviendras, puis ils te font confiance, tout ça. On a souvent l'impression qu'on peut amener ça ailleurs quand on est seul. Puis, on travaille plus rapidement parce qu'on jase moins, on parle moins avec les clients. Et... Parce que ça reste que une grosse partie de notre travail, c'est une forme d'entertainment de clients. Là, parce qu'ils sont là des fois des semaines avec toi. Il y a un peu de psychologie, quasiment des psychologues des fois aussi. Parce que les gens nous parlent de leurs problèmes et tout ça. C'est bien, c'est fun. Des super discussions... dans des longues sessions d'étalonnage. Mais ça reste que quand je peux rentrer dans ma zone, puis je me mets de la musique de film, puis je parle à personne, souvent je vais plus vite, puis je peux des fois arriver à des résultats plus intéressants. Ah oui, d'accord. Alors justement, pour la question du résultat, etc., ça pose la question du travail en pré-production. Oui, très important. Alors... Est-ce que ça se fait de plus en plus couramment? Est-ce qu'il y a une tendance à impliquer de plus en plus ou pas? Je dirais que oui, mais à petit pas. Là. Je pense qu'aux États-Unis, dans les plus grands marchés, je pense que c'est bien établi. Ici, au Québec, moins. Les gens n'y pensent pas tout le temps. Mais nous, on essaie de forcer, chez Postmodern, on essaie de forcer la note un peu avec ça puis de s'immiscer vraiment rapidement dans le processus au début. Puis notre service de look-up table de tournage vient un peu renchérir ça puis de forcer justement ce dialogue-là dès le début. Parce que s'ils viennent ici, on voit les images tests, ou ils amènent des images tests, on développe un look, puis ils partent avec, puis on s'est entendu que ça va être ça le look du show, du moins le look de base. Puis que lui a une... Cette personne-là a une nouvelle façon de travailler avec un appareil qu'il a travaillé des centaines de fois avec. C'est excitant pour le directeur photo. Puis moi, je lui dis en même temps, je vais respecter ce look-là. Je ne vais pas le changer. Mais joue avec tes lampes, joue avec la direction artistique. Allez-y, là, vous êtes libre, parce qu'on ne va pas changer l'image tant que ça. On s'est entendu sur un look. Donc, ça ramène un peu le côté de... faire confiance à son intuition avec la pellicule dans le temps, c'est que tu savais ce que la pellicule te donnerait, mais tu n'étais pas trop sûr. Mais là, au moins, maintenant, on le voit très facilement. Mais
un directeur photo qui avait beaucoup d'expérience avec une certaine pellicule savait comment il pouvait jouer avec. Puis, c'est de cette façon-là qu'il s'assurait d'avoir un look particulier parce qu'il utilisait des lampes d'une certaine couleur ou des lampes très neutres. Ou, il y avait toutes sortes de façons de jouer avec. Quand l'étalonnage est arrivé, les directeurs photo ont comme un peu perdu le contrôle de leurs images parce qu'ils pouvaient être vraiment transformés par quelqu'un. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est offrir, c'est dire, tu es le maître, joue avec tes images, tu sais de quoi ça va avoir l'air sur le plateau. Il n'y aura pas de lookup table générique que tout le monde dans le monde utilise avec la Alexa, par exemple. C'est vraiment une nouvelle base pour toi. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir ce dialogue-là tôt, puis ça suit après dans les proxy pour le montage et ainsi de suite. Donc, il y a toute une continuité qui se fait de cette façon-là. Est-ce que tu as un exemple justement de projet où la pré-production a été très efficace, où il y a pu y avoir une lutte qui a été inventée par exemple avant le tournage? Oui, une série qui s'appelle 192, qui est une série adaptée d'une série francophone qui s'appelle 192, une série policière. On a fait justement ça avec une des premières fois qu'on faisait ce flux de travail-là. Et ça a été quand même assez rapide après en étalonnage. Quand même assez rapide. Parce que j'ai pas besoin de me poser la question sur c'est quoi que c'est ce bazar-là, cette scène-là. Je sais qu'il avait l'outil puis qu'il l'a tourné de cette façon-là. Surtout quand le client n'est pas là, parce qu'il n'est pas toujours là, il est en tournage. Moi, j'étais déjà en train de terminer des épisodes, ils sont encore en train de tourner. Récemment, j'ai fait un autre projet, puis vraiment, ça a accéléré le processus. Un court-métrage aussi, que j'ai fait récemment. Je ne me rappelle plus le nom. Mais encore une fois, étant donné que j'ai pas besoin de passer 2 heures et demie au début de la journée ou 3 heures à développer le look, bien, ça me sauve beaucoup de temps, en fait. Puis je sais que je peux faire confiance au directeur photo en lui disant. Il me fait confiance, moi aussi, parce qu'on s'est dit, c'est ça ton look, donc amuse-toi avec. Et quand on est dans cette phase de décision, de définition du look, à ce moment-là, donc c'est en pré-production, c'est à ce moment-là que la conception, enfin la direction artistique joue un rôle. Elle Oui. peut te donner des éléments, des images. Ben oui, des références, ça, c'est Ouais, ça que tu, je pense que c'est ça ouais. que tu veux dire. Oui, ben en fait, c'est le directeur photo qui va souvent monter un lookbook. Puis il va me D'accord. montrer des images de films, de peinture, de photographie qu'il aime. Puis on va. Moi, souvent, ces références-là, je les regarde, j'essaie de les oublier assez rapidement parce que Ah oui. c'est un autre. Ça me donne une intention, mais son film, il va être différent. T'sais. Fait que quand on se tient trop à des références, ça peut devenir un peu fastidieux des fois parce qu'on ne peut pas atteindre exactement la même chose, c'est pas le même contexte, le même budget et tout ça. Donc, c'est pas toujours efficace, les références. Ça donne une impression de où est-ce qu'il aimerait aller. Oui, ça peut aider pour développer le look. Parce que si je vois des éléments récurrents dans toutes les images, je peux m'en servir pour bâtir le look. Mais une fois rendu au tournage, en fait, la direction artistique va être vraiment l'éclairage, la direction artistique. Le choix des objectifs, tout en fait, le maquillage, les costumes, mais beaucoup la direction artistique va me donner une direction réelle dans le look. Parce que je peux pas, s'ils mettent un mur rouge, je peux pas faire autre chose. T'sais. Fait que moi, c'est pour ça que je trouve ça un peu déplorable des fois que justement, les directeurs photos ont une lookup table dans l'appareil qui est générique, mais qui savent qu'ils vont changer, mais dans quelle direction ils ne voient pas quand ils ont l'opportunité de peut-être le voir sur le plateau, puis que le directeur artistique ou la directrice artistique puisse vraiment avoir la teinte exacte de ce que ça va avoir l'air à la fin. Un mur, un bureau, ou quoi que ce soit, je trouve ça très intéressant. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent vraiment faire plus de travail sur le plateau pour en arriver à un look final. Moi, à la fin, je rééclaire. T'sais, je passe plus de temps dans ce concept-là. Je passe plus de temps à peaufiner l'image, à rééclairer un peu des trucs, à mettre un masque sur quelque chose qu'on ne veut pas voir, ou juste vraiment faire des petits ajustements qui vont vraiment rehausser l'image, à place de réparer ou t'sais, de développer un look à tout casser. T'sais, si lui veut donner une direction et éclairer avec une lampe rouge,
qu'il fasse. C'est ça que moi, je trouve intéressant. De par mon passé de directeur photo, beaucoup des talents viennent du VFX et du compositing et tout ça. Fait qu'ils ont moins, des fois, cette approche-là au niveau de l'éclairage et tout ça. D'ailleurs, c'était un point que Jérôme aimait beaucoup de moi, c'est que je venais du plateau et non de la post-prod. Est-ce que justement, ce regard en fait de directeur de la photo, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aide à penser notamment en profondeur en fait, les... Oui, absolument. Ah, oui. Oui. Et puis les clients, ils le disent beaucoup. Ah, oui. En fait, ce que les clients disent le plus à propos de mon travail, c'est vraiment les petits ajustements, la minutie, qui vont faire beaucoup de différence en bout de ligne quand tu en fais plusieurs. Mais c'est vraiment tous les petits détails. Puis oui, effectivement, ça va m'arriver souvent de rééclairer un peu la scène pour qu'elle devienne plus tridimensionnelle et ainsi de suite, ou de la séparation de couleurs, mettre des zones de couleurs différentes dans le fond, dans l'avant-plan, pour vraiment détacher les choses. Ah oui, d'accord. Et est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as un petit peu dans ta tête, chaque fois que tu vois un nouveau plan, est-ce que c'est de manière intuitive, tu sais tout de suite qu'il faut jouer justement, par exemple, sur le fond, etc. Ou est-ce que tu as un petit peu ta liste, en fait, en disant, tiens, ben là, je vais me focaliser sur la peau, là, je vais me focaliser sur les fonds? C'est une très bonne question. Ouais. En fait, je ne sais pas. D'accord. je dis souvent comme là, Sean, qui est comme notre stagiaire présentement, j'ai dit souvent que des fois, je ne sais pas ce que je fais. Puis j'ai comme dit, c'est comme jouer un gros jeu vidéo, finalement. Je pousse des boutons, puis il y a des choses qui arrivent. Bon, c'est un peu, c'est comme un peu simpliste la façon que je dis ça, mais c'est un peu la réalité. C'est les choses évoluent en le faisant. J'ai pas de... Puis ça, en fait, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. J'ai pas de façon vraiment rigide de fonctionner. Ça va toujours dépendre du projet. Fait que, comme c'est de cette façon-là que je garde les choses un peu nouvelles et fraîches. J'essaie pas d'être très rigide. OK, je fais une passe de comme ça. Là, je fais une passe comme ça. Puis là, je fais une autre passe comme ça. J'ai essayé de faire ça dans le passé. Puis ça marche souvent pas. Parce que de toute façon, quand les clients sont là, ils vont dire, « Ah, ça en arrière, j'aimerais ça, changer ça. » Ou, tu sais, « Ah, ce plan-là, il est trop magenta. » T'es comme, « Oui, je sais. » On va y aller par étapes quand même. Mais les choses se bousculent souvent parce que les clients sont excités de retoucher à leurs images. Tu veux leur faire plaisir, fait que ça t'amène dans toutes sortes de directions. Mais oui, des fois, je vais faire une scène, je vais l'étalonner, je vais m'assurer que chaque plan est beau, après ça, je vais recommencer, là, je vais faire les masques et tout ça. Tu sais, j'essaie de garder une petite structure, mais la plupart du temps, je n'en ai pas. Ça crée du bien, ça crée du mal. Des fois, je suis tout désorganisé. Puis, tu vois, j'ai l'impression que je suis désorganisé. Le sentiment de perdre le contrôle d'un film, c'est vraiment spécial. Finalement, tu ne le perds pas vraiment, mais tu aurais aimé ça l'amener vers quelque chose ou être vraiment organisé parce que c'est un gros projet. Puis là, les clients, toutes sortes de demandes, on revient, on retourne à une autre scène, puis là, t'es... Mais dans le chaos, la beauté, je pense. Et est-ce que tu travailles de manière, justement, de manière chronologique? Oui, quand même. Ouais. Ouais. Je vais commencer au début, puis on finit à la fin. Ouais. Souvent plus qu'autrement. Ça arrive des fois qu'on va passer une scène où on va aller faire... Le client va dire, ah, j'ai une scène de nuit, j'aimerais ça la travailler, voir comme ça s'enligne bien avec nos scènes de jour. Ça arrive. Mais oui, souvent, c'est chronologique. D'accord. Une série télé, c'est hyper chronologique. Ça, c'est vraiment... Et par contre, par exemple, si on choisit un look lié à un décor, quand on arrive, je sais pas, moi, on quitte le décor et on le retrouve 20 minutes plus tard, est-ce que du coup, tu reviens, tu vois ce que tu as fait, tu réappliques? Ben, tu je me sauve une image en fait que dans Resolve quand tu fais une sauvegarde d'image, donc juste une seule image dans ta banque d'images, le look est déjà tout est là, donc tu as juste à appliquer ça sur cette scène là ça a été éclairé de la même façon, même exposition, les choses devraient suivre, mais souvent il y a des différences parce que ça prend souvent on va avoir des projets plus avec des budgets plus bas ici au Québec. Puis ils vont utiliser des objectifs plus vieux, puis là, d'un objectif d'une 25 à une 50, ça va passer de bleu à vert à jaune, parce qu'il n'y a plus énormément de protection sur les objectifs, tout ça. Donc,
ça peut être un problème. Et j'imagine aussi que, ça, que les choses peuvent un petit peu varier sur la place dans le film. Si le film, je ne sais pas, est dramatique, est de plus en plus dramatique. Oui, absolument. Ça, en fait, c'est drôle parce que la continuité... Il y a un directeur, un réalisateur qui m'a dit en anglais, il dit « Continuity is a bourgeois concept ». Donc, la continuité, c'est pas quelque chose d'absolu. Il y a des clients, des fois, qui vont nous demander de prendre une scène qui est à la fin puis voir si c'est pareil comme au début, parce que c'est une scène récurrente. Donc, dans nos têtes, on dit « Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Il y a personne qui va faire ce travail, tu sais, de passer d'un à l'autre comme ça. » Si le film a évolué puis devient plus... Ça devient... Tout devient plus lumineux, pourquoi pas, tu sais. En fait... Comme je disais, dans le chaos, la beauté, mais c'est un peu vrai dans le sens que si tu veux que ton film soit, pardonnez l'expression, parce que tout le monde dit ça, organique, je pense que ça prend un peu d'instabilité. T'sais. Comme le directeur photo, encore je sors une autre expression, parce que là, c'est drôle, j'en ai eu plein dernièrement, c'est, lui disait « no logic, only magic ». Puis c'est un peu ça, là. Moi en tout cas, c'est la façon que j'aime travailler la colo, j'aime ça garder ça simple, puis changeant, pour justement qu'il y ait des variations qui créent une certaine forme de magie, en bout de ligne, parce que c'est du cinéma, il faut que ça soit un peu magique. Quand je suis allé voir Interstellar au cinéma, qui avait été fait photochimiquement, ou qui était allé photochimiquement, il y avait beaucoup de variations, on le voyait. Puis c'est ça qu'on est habitué de voir, des fenêtres complètement blasté, plein de trucs en numérique, on ferait « non, on fait pas ça », mais tout le monde veut être plus cinématographique, plus filmique, si je peux me permettre l'expression encore une fois. Je pense que d'avoir un étalonnage trop rigide enlève ça, ça devient très clinique et numérique à ce moment-là, parce que c'est en numérique qu'on peut être clinique, finalement. Ça persiste en fait cette idée de vouloir retrouver finalement un look film. C'est vraiment une demande. Ouais, de... ouais quand même. Moins en moins, mais quand même. Ouais. Parce que ça a une espèce de. C'est un aura. Là, avant, les gens testaient contre le film, il y a trop de grains, c'est pas sharp et tout ça. Puis là maintenant, tout le monde veut avoir du grain, que ça soit pas sharp. Parce qu'ils trouvent ça trop clair, les images numériques. T'sais. Alors justement, en matière de look, en fait, parmi les films, j'ai vu quelques images de Minina Mivida. Oui. Et là, du coup, je me demandais effectivement, avec ces ciels bleus intenses, etc., enfin, si, par exemple, la question de certaines pellicules, peut-être du Super 8, je ne sais pas, en fait, avait servi de... Oui, absolument. Ça, c'était tourné en Super 16. Ah, ça a été tourné en Super 16, d'accord. C'était un télé-ciné, donc c'était pas la meilleure qualité du monde. Encore une fois, je crois que le réalisateur Yann Giroux voulait avoir ce look-là, mais s'il m'avait demandé techniquement, est-ce que je devrais prendre une Alexa ou tourner en 16 pour faire un télé-ciné, j'aurais dit, ben clairement, une Alexa va être meilleure qualité. Tu sais. Parce que quand on fait un télé-ciné, c'est un peu comme travailler sur du DV, finalement. C'est pas, vraiment pas très bonne qualité. Mais je pense que c'est un peu ça qu'il voulait. Puis cette fois-là, on avait fait des tests de pellicule, puis on avait été regarder, puis j'avais avisé. J'avais dit, ouais, ça, c'est plus beau. Puis la Fuji est plus verte, l'autre est plus rouge. Parce que chacun des manufacturiers de pellicule avait des préférences au niveau des tempos. Les Américains voulaient des tempos chauds et éclatants, puis les Japonais voulaient des tempos plus désaturés puis blancs, parce que toutes les femmes japonaises veulent être blanches. Leur tangente culturelle faisait quelque chose, ça créait quelque chose dans la pellicule. Mais dans le cas de Minina Mivida, c'était en Super 16, c'était très granuleux. On a fait pas mal de retouches. Beaucoup de changement de couleur, me semble, justement les ciels et tout ça. Mais avec ce genre de signal-là, j'ai pas une place pour faire des corrections. Parce que ça va se dégrader très, très, très rapidement. Ah oui. Ouais. D'accord. Parce que. D'accord. Alors, mais c'est quand même une pellicule qui a quand même été scannée dès lors qu'on passe dans l'environnement. Mais c'est pas scanné, c'est télé-ciné. Il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est vraiment une grosse, grosse différence. Parce que un est une.
Les deux sont des caméras qui enregistrent, mais une caméra qui est clairement, nettement meilleure qualité que l'autre. Puis c'est pour ça qu'un scan, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et que finalement, ça aurait peut-être été moins cher de tourner en Alexa. Ou de détruire un peu l'image, elle met de rajouter du grain, tout ça, mais ça n'aurait pas eu le même feeling. Ouais. C'est ça la grosse différence. Mm-hmm. Ils se préparent à faire un autre film. Là. Il a été financé récemment, ah, oui. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous amener cette fois-là. Et justement, en parlant d'inscription dans la pré-production, etc., le fait de travailler avec des directeurs de la photo ou des réalisateurs sur le long terme, est-ce que ça permet, ça facilite en fait? Oui, absolument. Oui, vraiment. C'est... J'ai des clients que j'ai depuis 2011 que c'est juste tellement rendu facile. T'sais. Puis on devient des amis en fait. Ils viennent manger chez nous. En bout de ligne, quand on retravaille ensemble, c'est comme une petite fête. Là, on est content. Puis, donc oui, ça crée de la confiance. Puis ça fait que souvent, justement, les clients vont venir, vont repartir. Je vais pouvoir travailler seul. Ça fait aussi qu'on a moins peur de proposer des trucs plus poussés des fois. Ça crée des trucs super intéressants. Oui, parce qu'il y a de la confiance et il y a aussi une meilleure compréhension du travail. Exact, c'est ça. Exact. Ça arrive souvent, puis je suis sûr que Julien aussi, ça y arrive tout le temps, qu'on va faire une correction avec quelqu'un qu'on connaît bien, on va faire une correction, puis dans la seconde qu'on fait la correction, il dit « Ah ouais, c'est exactement ça que je voulais. » Donc ça arrive quand même avec les gens avec qui ça fait longtemps qu'on travaille, ça arrive vraiment souvent. On lit un peu dans leur pensée. Mais ça se fait tout seul, c'est un peu bizarre, c'est psychique, là. Est-ce que vous allez aussi... Enfin, est-ce que tu vas beaucoup au cinéma? Ben moi, maintenant, là, je suis papa de deux enfants, fait que j'ai moins de temps là, au cinéma, puis j'en écoute quasiment plus. J'écoute des séries, j'essaie d'écouter des belles séries, parce que je trouve que maintenant, les séries ont vraiment rattrapé le cinéma, là. C'est même peut-être même dépassé, en termes d'écriture et tout ça. Mais je vais prendre le temps d'aller voir les films où, au niveau visuel, il y a quelque chose de nouveau, de plus poussé. Ou, justement, quand les clients disent « le look film », ben, quand il y a un film qui sort en pellicule, à grand déploiement, Interstellar ou The Hateful Eight, dans un format qui n'existe plus depuis des années, je vais me déplacer, je vais aller le voir. Parce que c'est important pour moi de voir les couleurs et comment que les choses sortent. Puis d'habitude, je vais voir d'avance sur IMDb les sortes de pellicules qui ont été utilisées, les sortes de pellicules de présentation. Comme ça, je peux un peu comparer aussi avec ce que nous, on a ici. Puis je vois les similarités rendues là. Dans le Hateful Eight, je reconnaissais la 2383. Ah oui. J'étais capable de voir exactement comment elle réagissait, puis ça ressemblait à ce qu'on fait nous autres ici. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres formes de nourriture d'image? La photo. Oui, beaucoup la photo. Je suis un photographe depuis le début. En pratiquant la photo. Oui, en pratiquant la photo, ça m'aide beaucoup pour garder l'éclairage, me garder un peu sharp au niveau de l'éclairage. Je fais beaucoup de photos de mes enfants, là, plus qu'autre chose, mais aussi, c'est sûr que quand j'arrive à l'étape de retouche de mes photos, je suis comme ça me tente pas, je fais ça toute la journée. Fait que j'ai tendance à travailler mes images en noir et blanc beaucoup parce que c'est juste plus facile. Puis faire du noir et blanc, c'est comme très excitant pour un coloriste. C'est un peu contradictoire, mais ça l'est vraiment. J'ai fait deux films en noir et blanc récemment, puis c'est vraiment excitant. C'est pur. Je parlais avec Julien récemment de ça, puis on disait la couleur c'est grotesque. Des fois, il y a trop. On aime ça quand c'est simple. Moi, j'aime ça quand c'est simple. J'aime ça faire de la colo simple. J'aime pas faire beaucoup de qui, d'aller chercher, de changer des teintes de peau très spécifiquement. J'aime ça quand c'est fait globalement. C'est pour ça que je me fie beaucoup au directeur photo pour son travail. Puis en noir et blanc, c'est juste c'est contraste. Puis quand c'est riche en noir et blanc, ça te donne une espèce de feeling de chaleur à l'intérieur. Je sais pas comment le décrire. Mais c'est même sur un écran numérique, ça a une certaine richesse. Ça a pas d'âge. C'est toujours beau, essentiellement. C'est pour ça que moi, au grand...
des arrois de ma copine. Je travaille beaucoup mes photos en noir et blanc. Mais comme oh, nos enfants ont tellement des beaux yeux bleus. Je suis comme, ah, je m'en fous, c'est plus beau en noir et blanc. Donc, ouais, je vais faire un autre film, là, peut-être, en noir et blanc, avec la Epic monochrome. D'accord. Fait que ça, c'est très excitant, ça. Ah oui. Ça, c'est vraiment excitant. Des fichiers noir et blanc qui sortent d'un appareil, que t'as pas de couleur, ça va être sharp, ça va être contrasté, ça va être superbe. D'accord, donc ça, c'est excitant pour un coloriste. Ouais, je suis très excité de ça. Très excité. Quand Leica a sorti la M monochrome, c'est la première compagnie qui a fait ça, puis Red ont suivi juste après. Probablement dû à ça, ils ont fait oh, on va enlever le Bayer pattern sur notre appareil pour faire un appareil noir et blanc. J'ai trouvé ça très très osé de leur part, c'est très niche, mais à la fois complètement incroyable. Puis récemment, ils ont sorti un autre appareil photo, pas d'écran à l'arrière, un appareil numérique, mais pas d'écran. Ça, je trouve ça vraiment le fun. On voit pas, on se fie à notre intuition. Le noir et blanc, ça te ramène un peu à ça. C'est comme. C'est encore très classique. T'as encore l'impression de travailler de négatif. C'est... Mais est-ce que quand on part sur un noir et blanc, est-ce qu'on peut du coup rajouter un peu quand même malgré toute la couleur dans du noir et faire. Ben, on pourrait faire. Dans ce sens-là, on pourrait. Tu pourrais rajouter, faire comme un sépia tone ou quelque chose dans le genre. Ça, ça se fait. Mm. Mais en noir et blanc. Quand on le met en monochrome ici, j'ai quand même encore mes trois. Là, c'est bizarre, c'est comme rouge parce que c'est tellement scillant l'image que notre œil le voit pas. À moins que j'ai quelque chose en rouge. Ah oui, ça, non, excuse-moi, je les ai justement après, c'est pour ça. Mais ça ferait ça, de toute façon. Il faut que je mette le monochrome à la fin. Là, il est en noir et blanc. D'accord. Parce que j'avais des ajustements ici. Fait, justement, tu vois, c'est. Là, je pourrais. Ouais, non, excuse. Moi, les ampoules mauvais. Si je mets le noir et blanc au centre, comme ma lutte, là, je pourrais après rajouter de la couleur. Tu vois? Oui. Si je mets le noir et blanc à la fin, là, je ne peux pas le croire. Ouais, c'est ça. Sauf que ça me permet de jouer avec les niveaux de chacun des différents canaux, donc je pourrais supprimer le rouge, puis ça nous donne une image. C'est comme finalement ajouter des fils de couleur sur une pellicule noir et blanc. Donc, si je veux des ciels très foncés, j'aurais probablement tendance à augmenter le rouge, puis j'aurais des ciels, si je ne me trompe pas, le cyan, tu vois. Ouais. Et là. Le cyan devient de plus en plus foncé. D'accord, ouais. Mm. Donc là, ça, c'est une façon de justement créer un look en noir et blanc, c'est que tu peux jouer avec ces différents canaux-là pour avoir des tempos plus foncés, plus légers, vraiment là, une panoplie de choses que tu peux faire. Ça peut donner très bizarre. Et est-ce que quand tu pars d'une photo, d'une image en couleur, est-ce que ça fait la question du noir et blanc, du contraste et de la. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes quasiment en premier? Je suis pas sûr de suivre, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ben, oui, moi non plus. est-ce que le noir et blanc dans une image en couleur, est-ce que c'est quelque chose en fait qui est premier de la question des rapports de contraste? Est-ce que c'est... Ben, c'est que le travail devrait être fait beaucoup sur le plateau. Mm. Quand ils ont fait, les frères Cohen ont fait un film en noir et blanc, puis... Toute la façon que les gens étaient habillés, tout ça, tout avait rapport avec la façon que ça réagissait en noir et blanc. Mais si, exemple, quelqu'un arrive avec un vidéoclip, il a tourné ça rapidement, on le fait en noir et blanc, je vais tout simplement, dès le début, mettre ça en noir et blanc, puis on part tout de suite de ça. Je ferais pas comme un étage à l'intérieur, en couleur avant, puis après ça, on switch en noir et blanc. Je vais avoir la vérité immédiatement. D'accord. Et alors, par contre, donc noir et blanc, mais en même temps, dans la filmographie, il y a quand même beaucoup de films qui sont vraiment extraordinaires au niveau des couleurs. Ouais. Et donc, évidemment, il y a eu le film pour lequel tu étais nominé aux Oscars, Moonsoon. C'est pas aux Oscars, c'est les HPA Awards. Ah, d'accord. C'est les petits Oscars de la Poste. Ouais. C'est les Oscars de la Poste, tu peux dire. Et alors, Moonsoon, du coup, quel travail a été fait? Parce que
Voilà. Comment ça s'est passé en fait avec Monsoon, c'est un documentaire, donc il y avait pas énormément de contrôle au niveau de la direction artistique. C'était vraiment les couleurs pures de l'Inde, c'est capturé tel quel. On a utilisé une émulation, quelques émulations différentes de pellicules selon les scènes. Mais ça a été un film pour lequel j'ai eu plus de temps, je pense. J'ai eu 15 jours pour le faire, il me semble. Fait que j'ai eu beaucoup de recul parce qu'on a séparé les sessions. Donc, ça a été un processus assez relax. Puis le directeur photo a fait un job absolument incroyable. Puis ensemble, on l'a amené où il est arrivé. Et Van Royko, le directeur photo, a gagné un prix aux CSC Awards, qui sont le gala des directeurs photo canadiens pour meilleur de photos documentaires. Et de ça, moi, j'ai décidé de le soumettre au HPA, puis il a été retenu. Fait que j'étais vraiment content, parce que j'étais contre des gros films d'Hollywood et tout ça. Puis quand on est allé, moi puis Alexandre, le propriétaire de l'entreprise, quand ils ont annoncé les nominés, ou les nommés, je sais jamais quoi trop dire, évidemment, mon cœur débattait, c'était vraiment intense. Mais j'ai trouvé ça bien parce qu'ils ont fait un petit speech de directeur photo, puis ils ont vraiment. Ils ont dit cette année, on voit du réalisme et du fantastique. T'sais. Donc, t'sais, je trouvais ça le fun qu'ils ont comme un peu mentionné le film et tout. Puis de voir les images de Monsoon sur un gros, gros écran, parce que notre écran est quand même assez gros, mais là-bas, l'écran était beaucoup plus gros, puis c'était pas un projecteur de cinéma vraiment de très, très, très haute qualité. C'était. Wow! Mais le but de Monsoon était d'avoir une image très, très naturelle. D'accord. Puis c'est ça qu'on a fait. J'ai fait beaucoup quand même de retouches au niveau des verres et tout ça, pour m'assurer que les verres n'étaient pas trop. Parce que souvent, avec les caméras numériques, ce qui arrive, c'est que les verres vont vraiment. En fait, toutes les couleurs primaires souvent sont débridées. Là. Ça part dans toutes les directions. Donc, il faut les ramener un peu. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait, évidemment, au niveau de la verdure et tout ça, pour être sûr que ça reste le plus naturel possible. Ouais. Justement, là, il y a. C'était une question aussi que j'ai posée à Julien tout à l'heure, comme et toi aussi, toi, dans ta filmographie, tu as quand même beaucoup de documentaires. La perspective, en fait, et la manière d'envisager, en fait, le travail sur un documentaire, en quelle mesure c'est différent par rapport à une fiction? Quelles questions on pose? Ben, dans le cas de Monsoon, c'est particulier pour le documentaire. C'était la première fois que chez Postmodern, on faisait vraiment un gros documentaire en 4K avec le budget. Puis c'était vraiment différent. La part du temps en documentaire, tu te retrouves à être un réparateur d'images, finalement. Parce que souvent, en documentaire, ils ont tourné sur plusieurs années, plusieurs formats pour faire amalgamer tout ça. Donc, l'approche est beaucoup plus service pur et dur que créatif. Bon, c'est pas vrai pour tous les documentaires, mais au Québec, on fait beaucoup de documentaires sociaux, moins de documentaires nature. Donc, le documentaire social, souvent, va mettre de côté un peu l'aspect caméra au profit de l'histoire. C'est correct, l'histoire est importante, ça prime. Mais ça crée souvent des films un peu chancelants, et il faut tout ramener ça. C'est du gros travail d'habitude. C'est pas la chose la plus agréable à faire en colo. Et je rebondis sur un autre film, mais là qui est une fiction en fait sur la question de la couleur, c'est Le cœur de Madame Savali. Oui. Alors là, quelles étaient les directives, les références, comment ça Le s'est cœur de passé? Madame Savali avait une direction artistique très, très franche, très directe. Beaucoup de couleurs. Donc, pour moi, c'était relativement facile dans le sens que je devais respecter ça. Par contre, ça créait souvent justement des exagérations dans les couleurs qu'il fallait ramener. Donc, j'ai vu Madame Sabali, c'était un peu comme faire une grosse pub finalement, parce que j'avais vraiment besoin de retoucher très spécifiquement des couleurs. Donc, j'ai utilisé énormément de key dans ce film-là, que ce que je fais pas, je fais moins d'habitude. Mais au niveau des références, il y a des choses très claires. C'était un réalisateur français.
ou dans Scandinave. Et clairement, il y a du Wes Anderson dans tout ça. C'est sûr, certains, les cadres très droits et tout ça. Mais Madame Savary, c'est un très beau film, très coloré. C'est super agréable à faire. Mais c'est ça. Ça a pris beaucoup de travail, très pointilleux pour garder tout. Toutes les couleurs de façon à ce qu'ils soient représentés de façon naturelle. Puis le directeur photo, Yann Lagarde, est très, très proche de son passé de pellicule. Donc, ça revient souvent dans ce qu'il dit. Ouais. Ah, ça, c'est trop numérique, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, il fallait toujours un peu façonner tout ça pour qu'à son image personnelle, parce que la définition de ce que c'est de la pellicule change par personne. Des fois, on avait des petites argumentations. Ouais, je pense pas, mais ça crée justement des affaires le fun. Donc, c'est ça, fallait faire attention. Surtout les bleus, je me rappelle, c'était les bleus qui étaient pour lui vraiment. Il y avait un drapeau bleu du Québec à un moment donné, il était jamais à son goût. Ça a pris plusieurs passes avant qu'on arrive à quelque chose de. C'était pas plusieurs passes, mais oui, on sent qu'on a travaillé beaucoup dessus pour que ça arrive à quelque chose que. OK, ça, c'est cinématographique. D'accord, oui. Rendu de certaines couleurs. Est-ce que tu l'as vu, Oui. Ah ouais, okay. Oui. OK, t'as fait tes devoirs, toi. Le plus sérieusement possible, mais c'était pas si facile que ça, en fait. T'as vu Monsoon aussi? Je l'ai pas vu en entier, en fait. OK, non. T'as vu le teaser? Ouais. Je sais même pas si le teaser était talonné. Je sais même pas si c'est mon étalonnage. La misère à dire. Ça, c'est une bonne question, ça. C'est dans quelle mesure, effectivement. Bon, souvent, quand même, si la bande-annonce, elle est faite. Oui, souvent, mais dans le cas de Monsoon, je pense qu'il avait fait une pré-bande-annonce. Puis... D'accord, ça a l'air absolument magnifique. C'est vraiment. Oui, c'est super beau. Comme je dis, c'était tellement le fun à travailler dessus. C'est juste ça, je trouve ça plate parce que j'ai. Sur Internet, des fois, j'ai de la misère à dire si c'est mon étalonnage ou non, parce que ça peut changer tellement d'un écran à un autre. Ouais. Puis de. Compression à un autre, le service de diffusion à un autre, ça devient très mélangeant. Et quand, par exemple, les films sortent justement en DVD, est-ce que... Quand on fait une version cinéma, elle doit avoir son... Elle doit être revue pour les autres médiums, tout le d'accord. temps. D'accord. Et on repasse systématiquement? Oui. D'accord. C'est plus global comme ajustement, souvent, ce qu'on fait. Surtout quand on change d'espace couleur, là, c'est... Parce qu'en cinéma, on est dans un espace couleur particulier, puis à la télé, les écrans de télé, c'est un autre espace couleur particulier. Puis il y a trois composantes qui font qu'il y a un changement. Il y a la teinte des blancs, donc comme le white balance, finalement, la balance des blancs, le gamma, la courbe de contraste, et l'étendue des couleurs, la gamme de couleurs. D'accord. Donc en cinéma, on a accès à une gamme de couleurs un peu plus large. Fait que si on dépasse la gamme de couleurs de la télé, il faut... savoir où on doit replacer ces couleurs-là. Le meilleur exemple, en fait, de ça, c'est Nemo, le petit poisson qui était orange. Puis il sortait de la gamme de couleurs des écrans de télé. Donc, ils ont dû le façonner pour qu'il ressemble, mais qu'il soit pas clippé au niveau chromatique. D'accord. Et est-ce que... Oui, alors dans un autre... Justement, alors... Plutôt côté justement de désaturation, bienvenue à FL. J'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu du. Tu as écouté? Oui. Tu l'as vu au compte? Alors non, je ne l'ai pas vu, mais c'était impossible en fait. C'est trop récent, je pense. Il n'est pas sorti encore. Bienvenue à FL. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir ça? Ça va-tu être diffusé? Oui, il faut faire attention. Ok. Bon. Bienvenue à FL, c'est un peu un cas d'une petite erreur technique qui a mené vers quelque chose. À la fois, la réalisatrice avait quelque chose de très spécifique en tête, mélangeait à ça un montage qui a été fait en log. Donc, elle n'a jamais vu ces images avec du contraste dedans. D'accord. Donc, quand j'ai commencé à mettre du contraste dans les images, elle n'aimait pas ça. C'est normal, c'est habitué. Mais en même temps, la réalisatrice n'aimait pas ce genre
d'approche, on rajoute du contraste, puis on rajoute de la saturation. C'est une esthétique qu'elle ne recherchait pas. Donc, c'est pour ça que le film, dans son entièreté, est assez désaturé, puis assez, assez peu contrasté. En fait, c'est très proche de ce que la caméra capture. D'accord. C'est sûr que pour moi, comme coloriste, des fois, c'est un petit peu plus difficile d'aborder ce genre de look-là parce que on a des aspirations d'amener le film ailleurs et tout ça. Et quand on reste proche du négatif, disons, ça peut être un petit peu... C'est pas décourageant. C'est difficile. Parce que c'est vraiment difficile de garder une ligne d'étalonnage puis que tout soit pareil quand tu peux absolument rien cacher nulle part. Tu sais, les noirs te permettent des fois d'avoir une petite erreur à gauche et à droite parce qu'on veut pas, on est limité dans le temps, mais il y a des trucs que moi, je vois que personne ne verrait jamais. Quand tu n'as pas de contraste dans tes images, c'est difficile de te cacher ces choses-là. Donc, ça devient très difficile d'étalonner un film désaturé, décontrasté à cause de ça. En bout de ligne, je crois que la réalisatrice a fait le bon choix parce que c'est ça qu'elle voulait. Puis j'ai pas nécessairement, moi, à me frustrer, à m'immiscer et à dire j'aurais fait autre chose ou quoi que ce soit. L'important en bout de ligne, c'est que le client soit toujours heureux. Donc, si elle était contente, puis vraiment contente de son film à la fin, bien, ça veut dire que j'ai fait mon boulot. Est-ce que j'aurais fait autre chose? Probablement. Je suis pas mal sûr que j'ai eu cette discussion-là avec elle, parce que même après ça, j'ai fait un long métrage, puis c'était un peu la même chose. Puis je me rappelle clairement avoir eu cette discussion-là avec la réalisatrice, puis j'ai dit, une autre réalisatrice, j'ai dit la même chose. J'aurais fait quelque chose de différent, mais l'important, c'est que tu sois heureuse. Donc, la désaturation, le décontrasté, ça a été une grande, grande tendance. Je pense que c'est en train de s'effriter un peu. Ça, c'est quand même un film qui date de 2015. Ouais. Moi, ce que j'avais cru comprendre en parlant avec certains étalonneurs, c'était qu'il y avait eu cette tendance-là. Ouais, justement parce qu'on s'était habitué à ces images, mais j'avais l'impression que c'était plutôt au tout début des productions numériques, c'est-à-dire plutôt 2012, etc. Alors que là, si on est en 2015, même si le tournage était en 2014, il y avait probablement déjà dans une sorte de lutte qui était... Je sais pas, je ne me rappelle plus ce qu'ils ont fait au tournage. Ça se peut qu'ils aient tourné en regardant les images en log. Ce qui peut être extrêmement dangereux parce que notre œil veut retrouver le noir. Donc, quand tu regardes tes images en log sur ton appareil, tu peux avoir tendance à sous-exposer énormément. Tu as une perte de détails dans les noirs. Le problème avec les looks décontrastés, désaturés, c'est que ça prend beaucoup de détails dans les noirs pour que ça soit beau. Parce que si tu as des noirs bouchés, ton image va juste être grise. Il y a moyen que ça soit beau d'avoir un look flat, comme on dit. Je pense notamment à des pubs de Chanel, des trucs comme ça qui ont été faits en 2013-2012. Super beau, mais il y avait du détail dans les noirs. Puis souvent, comme en documentaire, les gens sont rushés, tout ça. La caméra est un peu mise de côté, comme je disais tantôt. Donc, en ayant une image sous-exposée, t'as plus tes nuances dans les noirs, entre autres, parce que autant que tout le monde parle toujours, ah, les blancs, il faut faire attention aux blancs. Maintenant, les caméras numériques, les bonnes caméras numériques, vont faire exploser les blancs d'une façon très ronde, en fait. Donc, t'as moins le côté numérique, ça choppe les blancs à un certain niveau. La bataille, pour moi, est plus dans le détail qu'on a dans les noirs, en fait. Puis le niveau de bruit dans les noirs aussi. Donc, en surexposant un petit peu l'image, ça nous permet d'avoir plus de détails, puis ça nous permet de justement créer un look décontrasté, mais qui est encore riche. Qui n'est pas juste un look décontrasté sur des images décontrastées d'avance, qui crée tout simplement juste du gris, finalement. Et là, en ce moment, là, est-ce que tu as repéré une tendance
Non, il y a moins de tendance maintenant, je dirais. D'accord. C'est les gens ont lâché les tendances. C'est plus. D'accord. En tout cas, moi, j'essaie de ne pas avoir de tendance. Je Ouais. Non, mais vais ça va du te coup, au l'être cas par cas. T'sais. dans Il y les a eu demandes. le teal and orange là, qui était très, très populaire. C'est un peu ça, Finalement, du teal and orange. C'est un tempo un peu chaud, les noirs un peu très cyan, les Transformers et tout ça, là, qui faisaient ce look-là. Récemment, l'équipe de Scarium parlait d'une nouvelle tendance avec des highlights un peu argentés. Je comprenais pas trop ce qu'ils voulaient dire. Ils ont essayé de me montrer des exemples. Je suis comme, ben, ça a l'air bien normal. Mais il y a quelqu'un récemment qui m'a dit la même chose. Puis il a dit, ah, ce qu'on a fait, ça ressemble à ça. Je suis comme, bon, ben, peut-être que je t'ai influencé, puis je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais. Non, il y a pas vraiment de tendance. Des fois, les gens arrivent ça décontrasté, tant mieux. Puis des fois, ils veulent ça très contrasté. Je pense que le réalisme est en tendance. Autant que. Surtout au Québec, là, c'est très, très tendance d'être réaliste. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent pousser vraiment d'avoir des ondes d'ombre ou des images plus sombres en général. T'sais, on regarde, mettons, House of Cards. T'sais, ils vont quand même loin pour la télé en colo, là, au niveau des ondes d'ombre. Je trouve ça très, très intéressant de faire ça. C'est quelque chose que souvent, moi et Julien, on parle. Ah, c'est beau, c'est dark, c'est très, très sombre. C'est assez désaturé aussi. Oui, c'est sûr que le côté sombre amène à des saturations, parce que quand il n'y a pas de lumière, ben, il n'y a pas de couleur. Mais tu peux jouer avec ça aussi. Tu peux créer quelque chose de saturé, mais sombre, ce qui peut être un peu bizarre. Et en ce qui concerne la reconnaissance du métier de coloriste, sa place dans le générique, sa reconnaissance, bah là on a parlé de prix, mais. Ben, c'est sûr que je pense qu'on est très, très bien reconnus. On est vraiment respectés. Les gens nous demandent notre avis beaucoup. Notre avis est important. Au niveau des prix, la reconnaissance dans l'industrie, ça s'en vient, je pense, de plus en plus. Il y a de plus en plus de directeurs photos qui remercient leur étalonneur quand ils gagnent un prix. André Turpin, entre autres, le fait régulièrement quand ils gagnent. Ce qui est souvent, je pense. Là, il y a une gang de coloristes américains qui ont créé une association. Ils ont appelé ça le CSI. C'est comme l'émission à la télé. C'est un peu bizarre. L'émission de détective américain. Ça va-tu donner quelque chose? Je sais pas. Les HPA Awards, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux dans l'industrie. C'est ce que la plus grande reconnaissance, je pense, qu'on peut avoir en termes en colo. Est-ce qu'on pourrait avoir notre place aux Oscars ou aux Jutras, ou je ne sais pas les Jutras, mais le gala du cinéma québécois? Peut-être, mais je vois mal dans le cadre d'une grande cérémonie, une meilleure colorisation. Pour moi, ça devrait être plus remis au gala parallèle souvent qu'il y a là, t'sais, de métiers, de techniciens. Souvent, ils vont faire ça pour les Oscars, t'sais, les SciTech Awards, des trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. Parce que on fait pas. Moi, souvent, je vais comparer la relation directeur photo coloriste comme golfeur et caddie. On est là, on chuchote un peu dans l'oreille, mais on n'est pas le maître d'orchestre. Donc, je pense pas qu'on a besoin d'avoir la place ultime là, qu'il y ait une catégorie de direction photo et de colorisation. Je pense que le simple fait que les directeurs photo remercient leur étalonneur, je pense que c'est vraiment bien déjà. Si un jour je pourrais me rendre aux Oscars et on me remercie, je serais absolument satisfait. Même au gala. Pas même, au gala canadien, québécois, c'est là, les gens me connaissent ici. Ça serait vraiment le fun. Et la place en générique? Ben, la place en générique, il y a certains films, il y avait un film avec. Je me rappelle plus. En fait, c'est quasiment au début de l'étalonnage numérique. C'était avec la jeune actrice là, qui était dans Juno.
Hélène. Elle a fait comme un film où est-ce qu'elle se faisait un peu emprisonner, là. Puis c'était un peu comme le chaperon rouge, là. Puis le coloriste était comme quatrième dans la liste parce que le réalisateur a vraiment vu son film, je pense, se faire transformer par le coloriste. Ça a été vraiment quelque chose de très important. Mais c'est la seule fois que j'ai vu ça. Puis souvent, on est après le craft. C'est juste parce qu'ils mettent tournage, post-production après. Moi, je m'en fous, honnêtement. C'est pas la place dans le générique. Tant qu'on est là, puis ouais, tant qu'on est là. On est loin dans le générique. Souvent, je vais rester après les films pour voir c'est qui les coloristes, puis j'attends assez longtemps quand même. Mais c'est comme ça. Je vois pas pourquoi on serait là avant. Là. Est-ce qu'il y a un film ou un court-métrage ou un clip ou une publicité, en fait, sur lequel vous voudriez revenir parce que vous êtes très content du travail que vous avez fait, ou vous avez trouvé justement que la collaboration avec le directeur photo, par exemple, était très créative? Je voudrais absolument retravailler avec Van Royko parce qu'on a vraiment eu du fun sur Monzo. Je pense que c'est... J'aimerais beaucoup aussi travailler avec quelques de mes clients avec qui je fais de la série, que j'aimerais ça faire un film avec eux autres. Je pense entre autres à François Dutille, Toby Marie Robitaille, avec qui j'ai fait plusieurs saisons de quelques séries. Puis qu'on se dit, putain, il faudrait absolument qu'on travaille sur un film ensemble. Je pense que c'est ça en ce moment, pour moi, le but. Là, ça serait de prendre ces clients-là et d'aller dans une autre direction avec eux autres, que je ne suis pas habitué de faire d'habitude. Mais en termes de projets spécifiques, j'aurais plus des regrets des fois que j'aurais aimé ça faire d'autres choses ou que j'aurais aimé ça être plus cohérent. Je peux pas penser quoi. Plus cohérent, c'est-à-dire dans mon approche. Quand t'as l'impression, comme je te disais, quand t'as l'impression de perdre le contrôle, là, ça m'est arrivé quelques fois là, de me dire. Qu'il y a plusieurs directions à l'intérieur d'un même film. Ouais, ou juste, tu fais tellement d'ajustements que tu te demandes si t'as pas fait mal à l'image, tu sais. C'est comme... Des fois, tu peux aller très loin, puis tu te demandes, j'ai-tu créé des aberrations, des trucs comme ça. Je pense que dans le doute, si tu doutes pas, ben, tu changes de job, là. C'est sans problème. Des fois, j'ai certains réalisateurs ou certaines réalisatrices, j'aurais aimé ça qui me donne plus de liberté. Je vois bien les deux bornes entre la liberté de savoir qu'on peut offrir quelque chose au film. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça. Et d'avoir une direction très très précise que tu peux juste comme pas. T'as pas de marge de manœuvre. Fait que là, finalement, tu deviens un opérateur. Et le fait de se demander si on n'est pas allé un peu trop loin. Je me demandais aussi si c'était effectivement pallié aussi à la temporalité du travail, c'est-à-dire dans quelle mesure, par exemple, pour un long métrage, on a la possibilité de faire effectivement des sessions de travail, de laisser reposer ça, de pouvoir y revenir, etc., en fait, de faire un petit peu du saut de mouton. C'est quelque chose que je stresse beaucoup nos gestionnaires de projet d'établir, parce que surtout pour un long métrage, de pouvoir... prendre du repos puis revenir, c'est jour et nuit. C'est hyper important, mais la part du temps, j'ai pas ce luxe-là. Donc, ça devient un peu frustrant parce que t'es extrêmement plongé dans ton projet, puis maintenant, tu vois plus clair. Tu vois plus clair du tout, du tout. Avec Heartbeats, il y avait plein de trucs qui clochaient tout le temps. Puis au bout d'une semaine, je suis retombé dedans, puis j'ai tout de suite trouvé c'était quoi le problème. Mais j'étais pas capable sur le coup. Fait que c'est super important. Monsoon, j'ai eu ce luxe-là. Fait que c'est pour ça que je pense que ça a donné quelque chose de vraiment bon, parce que j'ai pu prendre... Moi, je dis toujours aux clients, je dis, on laisse ça mariner, puis on y revient, tu sais. Puis c'est... Pour de vrai, c'est quelque chose de super important. Puis je le demande régulièrement pour les projets. Mais tu sais, si je prends comme une série télé, je peux pas avoir de recul. Mais ça se fait tellement rapidement, j'ai deux jours. Et à une autre échelle, en fait, cette question du... De justement de prendre du recul,
combien d'heures on travaille au maximum par jour sur une image? Ben, sur une image ou sur un projet? Sur un projet? C'est ben, la convention à travers les coloristes dans le monde, c'est 8 heures. D'accord. Au bout de 8 heures, on voit plus clair. Même au bout de 8 heures, je vois plus clair. Ça arrive souvent que les clients vont demander des grosses corrections en fin de journée. Puis là, t'es comme, ah, je suis pas sûr. Puis des fois, ils regrettent parce que on devient aveugle. On est tellement habitué au look qu'on voit plus les couleurs. On voit plus les tangentes. Donc, c'est 8 heures. C'est 8 heures, puis c'est 5 jours semaine, maximum. Idéalement, je prends des pauses aux 2 heures, ce que je ne fais pas tout le temps. Il y a des gens qui sont des coloristes qui sont comme très à cheval sur certains petits principes du genre, si tu sors pour prendre une pause, puis tu vas dehors, que ce soit, faut que tu t'acclimates 20 minutes en revenant. Tu sais, comme, je pense pas que nos yeux, ça prend tant de temps que ça. Je me suis déjà fait dire par un directeur photo, tu portes des couleurs. Mais je vois pas mon linge quand je travaille. Tu sais, il dit, ah, les Italiens, tout le temps bien en noir. Mais je vois pas mon linge, puis il n'y a pas de lumière, effectivement, tu sais, il n'y a rien qui se passe. Fait que c'est ça, il y a certaines. On dirait qu'il y a comme un. Il y en a qui veulent entretenir une espèce de mysticisme autour de la colorisation, comme s'il y a des choses que seul le coloriste peut comprendre. T'sais. Puis on est comme des chamans des couleurs. Plein de trucs comme ça, là. Plein de trucs comme ça. On dirait que les gens, en entretenant ça leur donne une raison d'être. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même malgré tout dans ce métier quand même la persistance un peu d'une petite culture du secret par rapport Oui. aux luttes, aux Oui. recettes? Oui. Moi, j'ai pas de problème à partager si je te connais, puis si je sais qu'est-ce que tu fais. Pis... Exemple, notre stagiaire Sean, moi, je partage tout. J'aime ça de donner des cours, j'aime ça de partager avec d'autres mondes, j'aime ça quand les gens partagent avec moi. Mais effectivement, on a eu des coloristes qui sont venus travailler ici de l'externe. Puis quand ils viennent travailler, il n'y a rien sur leur ordi, là. T'sais, on ne va quand même pas leur donner tout notre travail, toutes nos recettes. C'est normal. Les gros studios, ils font la même chose. C'est pas pour être méchant. C'est juste, t'sais, il faut que tu mérites ton travail. Surtout quand c'est quelqu'un qui vient de l'externe travailler ici, t'sais, on est comme, ben, c'est nous autres les coloristes ici. Ça arrive plus vraiment, mais ça arrivait avant. Parce que, puis, il fut un temps où postmoderne n'avait pas de colorisme, il y a des salles, puis c'est des pigistes qui venaient travailler. Mais oui. Mais en même temps, Jérôme Sabourin était très généreux, il m'a laissé ses affaires. Puis... Après ça, c'est que c'est vraiment la personne qui opère la machine qui fait la différence dans la façon qu'elle va utiliser les outils. C'est semblé. Mais oui, on protège nos choses un peu. Mais en même temps, quand je donne des cours, je suis très transparent, puis je vais parler de toutes sortes d'affaires, puis je vais donner plein de trucs. Puis si quelqu'un veut une look-up table, je vais y en donner une. Je ne donnerai pas toutes, mais je vais y en donner une. Ça me fait plaisir de le faire. D'accord. Et est-ce que, parce qu'on n'a pas justement, après on ne va pas trop retarder, mais justement c'est cette question de statut de pigiste et à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'en France très clairement il y a une tendance à devenir de plus en plus freelance? Les laboratoires sont en train de fermer de toute façon, donc en fait c'est en train de se reconfigurer. Est-ce que ça aboutira peut-être à des petites sociétés de post-production, je ne sais pas. Mais quelle est la tendance aujourd'hui et toi, quels sont les avantages que tu vois être d'une part pigiste, d'autre part à l'intérieur d'une société? Je pense que être pigiste, c'est principalement la liberté que ça t'offre. Ça, c'est sûr que c'est agréable pour ça. Probablement que si tu travailles beaucoup, les salaires sont peut-être un petit peu meilleurs parce que tu charges à la journée. Mais à Montréal, du moins, je connais un dans deux étalonneurs qui font de la pige, mais disons haut de gamme, là, ils vont travailler dans des grosses boîtes, mais ils vont pas chez Technicolor, ils vont pas chez Mills.
ils ont leur coloriste interne. T'sais. Donc, c'est pour ça que pour moi, pour pouvoir m'épanouir puis faire les projets que je veux faire, faire du long métrage, je pense que je pourrais pas faire ça si j'étais pigiste. Je dois faire partie d'une structure. Je dois avoir une équipe qui me vend. Puis, c'est aussi le contrôle de qualité qui est important. T'sais, je sais que quand je faisais de la pige puis j'allais dans une boîte de pub faire une journée de pige, je ne savais pas si l'écran était calibré. Puis s'il ne l'est pas, à la fin de la journée, c'est moi qui se fais blâmer parce que c'est tout croche. Donc, en étant salarié comme ici chez Postmodern, je sais que je peux contrôler tout l'environnement. Puis ça, c'est très important parce que quand tu es pour un coloriste, d'avoir un environnement non contrôlé, c'est très stressant. Ouais, puis tout simplement, pour moi, la vision à long terme, c'est des petites boîtes comme ici qui offrent des services boutiques, qu'on est capable de se retourner rapidement, puis d'offrir des sortes de services, mais rapides, répondre à des situations, puis tout ça. Puis je pense que ça a tout à fait sa raison d'être pigiste aussi. Mais dans ma tête, un pigiste va faire beaucoup plus de télé, beaucoup plus de télé de variété. Puis moi, ça, c'est le truc qui ne m'intéresse pas. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, ce que je vois des pigistes à Montréal, c'est un peu ça qu'ils font. Oui. Et du coup, petite question pragmatique, qui est-ce qui s'occupe de calibrer ici? Moi puis Julien. D'accord. On fait les deux calibrations. Julien est meilleur avec les écrans. Oui. En fait, Julien est meilleur en général, en calibration, surtout avec les écrans. Mm-hmm. J'ai plus d'expérience que moi avec les écrans, mais je peux très bien le faire. De toute façon, notre projecteur est calibré avec une lutte. Puis nos écrans, pour l'instant, lui, est calibré avec une lutte. D'accord. Donc, avec une lutte, c'est assez facile. Tu laisses le logiciel faire son travail, puis tu lui donnes le standard que tu veux, puis tu le calibres. D'accord. Et c'est tous les combien? Les écrans comme ça, c'est à peu près à l'année. D'accord. 8, 9 mois. Mm. Le projecteur, on pourrait le faire tous les semaines. Ah oui. Parce qu'à cause de la lampe. La lampe, oui. D'accord. La lampe qui se dégrade vraiment rapidement. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est un peu. C'est un peu. Un peu chiant. Donc on compense du coup. On compense au niveau du. Enfin, au niveau de. Ben, il faut ajouter la luminosité de la lampe constamment, puis plus la lampe se dégrade, plus les trucs changent, les contrastes et tout ça. D'accord. Si je te montrais le projecteur jour 1 puis jour 22 de façon consécutive, tu verrais pas une énorme différence. C'est juste qu'en cinéma, c'est extrêmement important de garder le bon pied chandelle pour les contrastes. Parce qu'on est dans le noir, fait que la seule chose qu'on voit, c'est l'écran. Oui. C'est très important. D'accord. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'il y a un autre point, ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Je pense que non. On va se libérer. C'est une affaire sur les pigistes, que je voulais dire. Je m'en rappelle plus. Ouais, je pense que je l'ai dit dans le fond. C'est juste que, en fait, c'est que les directeurs de post-production aussi sont sécurisés par des structures. Quand ils ont un gros film, ça leur prend une structure. Donc, oui, le pigiste peut aller travailler dans la structure. Sauf que si ça change constamment, ben, les gens aiment ça, avoir une routine, même en cinéma. Tu sais, fait. Si tu vas dans une boîte de post-prod, puis ton pigiste il est pas disponible, tu es obligé de switcher pour un autre. Excusez-moi, je pense que je fais du franglais. Ça peut être un peu stressant, puis pas agréable pour le directeur de post-production. Quand tu sais que tu arrives, c'est comme une vieille paire de chaussures, tout le monde sait ce que tu as besoin, puis tu es habitué, tout ça. C'est sécurisant. Ouais. Tout comme avoir le même étalonneur à chaque fois, c'est sécurisant pour le directeur photo. Pas besoin de rebâtir cette relation à chaque fois. Et est-ce qu'il y a aussi le fait, puisqu'on parlait de partage d'informations, et qu'on a vraiment le sentiment que vous entendiez bien avec Julien, les deux ensemble, et le fait de travailler dans une même société où il y a un autre coloriste, enfin, voilà, et que vous
Dans quelle mesure tous les deux vous échangez? Voilà. Ah, beaucoup, énormément. On est comme. Je vois Julien plus souvent que ma copine. Je veux dire, fait que c'est. On échange sur tout, on partage sur tout. C'est sûr qu'au début, quand on a commencé à travailler ensemble, on se demandait, t'sais, il va y avoir des égos. Je pense que tous les deux, on a une certaine forme d'égo, là. Je veux dire, c'est comme. T'es quand même une personne ressource. Que les réalisateurs viennent voir directement. Fait que, t'sais, bon, c'est un espèce de statut rattaché à ça, mais on essaie de minimiser ces choses-là le plus possible, puis pas se prendre la tête. T'sais. Après la nomination HPI, je pourrais plus faire genre, t'sais, mais ça m'intéresse pas, c'est pas ça, là. De toute façon, je suis québécois, là, les Québécois on fait pour ça, c'est pas dans nos mœurs. Mais. Ouais, c'est ça. Au début, on se demandait comment ça serait, tout ça. Puis finalement, tout s'est bien. On a eu quelques accrochages, mais on sait, là, les gars, comment on règle nos problèmes. On se gueule après, puis c'est réglé après. Puis on se sent la main. On passe à la prochaine étape. Mais c'est pas arrivé souvent. Puis oui, on partage beaucoup. Puis c'est très. En fait, c'est super sécurisant aussi pour un pour l'autre d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre quand tu as un problème ou quand tu as besoin de régler un problème technique et quelqu'un peut venir t'aider. Fait que ça nous fait. On est dépendant l'un de l'autre dans un sens. Est-ce que vous, puis je vais bientôt m'arrêter, hein, mais est-ce que vous partagez aussi ensemble, tous les deux, des questions ou des moments où justement des doutes sur l'impression d'être allé trop Oui, loin? absolument. Ouais, souvent, on va se montrer notre travail, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Puis on va faire des blagues aussi. Là. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Mais. Oui, régulièrement, on va faire ça. Oui, vraiment, des fois, quand j'ai un gros doute, je vois pas clair ou quoi que ce soit, je demande à Julien, puis il va me donner son opinion. On apprend, on la laisse, comme on veut. Puis, c'est ça, on déconne beaucoup avec ça. Si peut-être un petit dernier mot serait bien comme conclusion en plus, peut-être ça m'avait frappé quand j'avais regardé le site et Julien nous a parlé de l'éthique de l'entreprise, un petit peu de l'ambiance et voilà, un petit peu nous dire quelques mots sur. Bien, comme je disais tantôt, Postmodern, c'est une boîte de post-production boutique, on l'appelle. Donc, c'est petit. Tout le monde, on est une vingtaine d'employés. Tout le monde est très convivial. C'est très peu corporate comme approche. Nos patrons sont toujours autour. Ils parlent avec les clients. Donc, les gens viennent ici parce qu'ils se sentent comme chez eux. T'sais. On se parle, on fait des blagues, c'est très, très peu sérieux. Là. Tout en étant très sérieux, en vrai. Mais l'ambiance est très peu sérieuse. Puis, de toute façon, le cinéma en général, c'est des gens de passion, donc t'sais, ça déconne pas mal, là, souvent. Fait que, ça a besoin parce que c'est stressant. Fait que des fois, il faut alléger l'ambiance un petit peu. Et l'approche personnalisée au niveau du service intéresse beaucoup les gens. Aussi, notre localisation dans le quartier ici du Maryland, beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma habitent autour d'ici, donc ils viennent à pied ou en vélo, c'est vraiment la fin. Mais c'est ça, l'approche que le client peut m'appeler sur mon cellulaire, me poser des questions, moi j'ai pas de problème avec ça, j'aime ça leur parler, je leur dis toujours si vous avez quoi que ce soit. Une question, envoyez-moi un courriel, ça me fait plaisir, même pour un projet qui ne vient pas ici, je m'en fous, je veux juste vous aider à ce que vous ayez le meilleur projet possible. Puis en faisant ça, c'est naturel que les gens vont graviter autour de nous autres. T'sais. Donc il n'y a pas d'ego dans ce sens-là d'entreprise. On est plus cool que tout le monde, non? On veut participer à tous les projets possibles, d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours un stagiaire. Il n'y a pas toujours un stagiaire, mais souvent, surtout au mois d'avril, parce que c'est là que les stages de. Il y a une école qui s'appelle l'ATM à Jonquière, qui ont un cours de production cinéma, puis production télévisuelle. C'est très technique. Ils apprennent vraiment un nouveau technique, puis à chaque mois d'avril, on a un stagiaire ou deux qui rentrent. Puis il y en a qui viennent nous voir, il y a des directeurs photos qui viennent, qui nous demandent des fois de passer une journée avec nous autres, voir comment on travaille.
ou des gens qui veulent juste me poser des questions, qui vont faire comme une petite entrevue sur le métier de coloriste ou les autres métiers qui sont faits ici. Puis Sean, notre stagiaire présentement, c'est une des premières fois ça arrive que lui, il veut vraiment se lancer en colo, donc il prend de son propre temps pour venir apprendre. On lui met une salle à sa disposition, étant donné que Julie est en congé de paternité. Puis il apprend. Il veut lâcher les plateaux. Il a pas la même histoire que moi. Comme tel, il travaille sur les plateaux, c'est le temps de faire d'autres choses. Très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci.